Salut l'internet, c'est. C'est Joso Bernard. Volos fait une vidéo parce que. C'est la fin. C'est la fin de d'un cycle, d'une aventure extraordinaire. Parce que, en fait, t'es mort, mais. Si ça le foot. Et moi, du coup, je rentre, j'appelle ma mère pour qu'elle vienne faire la lessive du foot, et elle est pas là. Donc, ben, je lui téléphone, et je dis, ouais, tu te dépêches de rentrer, moi, ça fait le linge et tout, il me faut mon linge propre et tout. Et là, elle me dit, ben, elle me dit, débrouille-toi, fais-le tout seul. Alors, déjà, ça me met colère, tu vois, parce que. C'est quand même son rôle, quoi, tu vois, et. Alors, du coup, ben, j'ai dit. Je vais le faire moi-même, hein, parce qu'on n'est jamais mieux que servi par soi-même, tu vois. Donc, si je veux le faire, j'ai dit, comment que je fais? Elle me dit, ben, sur l'étagère au-dessus de la machine à laver, qu'il y a le programme et tout, la notice, tu vois, pour que je vois qu'est-ce qu'il faut que je fais correctement. Donc je regarde au-dessus de l'étagère, je dis maman, je suis désolé, il n'y a pas de truc écrit. Elle me dit si, regarde bien tout, derrière ça, en fait, je dis maman, l'étagère est devant moi, il n'y a pas le truc, tu vois. Donc gros ton cul, viens, elle dit non, je peux pas. Et puis elle raccroche alors. Je dis bah c'est pas grave, ça doit pas être très compliqué, tu vois, c'est un truc de bonne femme, ça doit pas être compliqué, hein, donc. Moi je. Du coup, je vais le faire tout seul, donc j'ouvre la machine, je mets mon linge de foot. Et là, je mets tout à fond, en fait. Je sais pas, je tourne tous les trucs, donc je mets. Comme ça, je me dis, ce serait bien propre, donc je mets essorage maximum, machin, enfin voilà, je mets le truc le plus chaud possible pour que toi, ça nettoie bien. Parce qu'il y avait eu de la terre et tout, donc. Je laisse comme ça tourner 3 heures. Et quand c'est fini, ben moi j'ai dit je fuis, prendre mon linge. Et là c'est là que j'ai vu Ultra. Et ça m'a bouleversé le ciel, cœur, parce que. Ben en fait, voilà. Mon boyau Benzema. Bon, il est mort en fait. Oh là. Il est tout cassé. Le flocon, j'ai tout perdu! Et ça me. Je l'avais depuis 2012, ce maillot, parce que c'était l'Euro, Karim Benzema, l'apogée de sa carrière et tout, moi, c'était mon meilleur ami, ce maillot, tu vois. Donc, ça me fait très mal au cœur. Et tout ça parce qu'elle a pas voulu faire la lessive, l'autre connasse, là, ça me saoule, tu vois, putain! En plus, la journée de la femme, elle aurait pu bouger son cul, tu vois, non, mais ça me. Et donc voilà. Il est mort, quoi. Donc ça me. Du coup, je voudrais faire une petite hommage. Donc j'ai pris mon ordinateur et j'ai fait un truc avec Windows Movie Maker pour faire un petit. Best-of des meilleurs moments de Benzema et moi. Parce que c'est un truc que même l'argent il pourra jamais nous rendre, tu vois, ce qu'on a vécu à deux. Jamais, jamais, jamais ils pourront l'avoir. On a eu plein de bons moments ensemble, on a eu la deuxième étoile ensemble, on a fait plein de choses ensemble. On a même. Ben ça je peux pas le dire, mais. Tu vas me manquer. Ça va me manquer, Benzema! Et donc, voilà, je tenais à partager ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien mon maillot Benzema. Donc je voulais vous le montrer.
Il ressemble à mon copain. Donc voilà. Ça m'a fait du bien de partager ça avec vous. On se retrouve bientôt. Je viens jouer à Paris et je continue de jouer à mon pestac. Donc si vous voulez me réconforter, ben, n'hésitez pas à venir me faire un câlin ou m'apporter un chèque de 10 000 euros, tu vois. Voilà. Et bonne journée, de la femme à toutes les femmes.